Salut tout le monde, c'est Sonis et on se retrouve pour la suite de The Guild Wars. Et moi je suis en mode vomitor. Là crois-moi, ceux qui regardent la vidéo de mon côté vont avoir mal à la tête. Donc bah on a mis un moment avant de filmer la suite, mais bon filmer à deux c'est comme c'est pas tout à fait la même chose que filmer à un quoi, c'est un peu plus complexe au niveau du timing. Et surtout que la flemme est exponentielle au nombre de vidéastes. Oui c'est sûr. Bon, voyons voir, journal des quêtes, qu'est-ce qu'on avait à faire? Alors, on a la groupe Oup, la grande Oupelande des petits hommes. Mais il faut qu'on bute un ours, donc ça on va finir par en trouver un jour ou l'autre. Le corps de chiasse. De chiasse, yeah! Moi, c'est celle que j'ai de sélectionner, le corps de chiasse. Purifier le corps de chasse dans la source de guérison dans la vallée du Régent. Je pense qu'on va faire ça. Le vrai roi, sortez du domaine de Baradin et allez. Je vais au sud, le directeur de la zone, prenez le pont au sud-est qui mène. Ok. Bon, on va faire le corps de chasse donc. Alors, il y a fort longtemps, un marchand de Kanta m'a donné une corne de Minotaur. J'en ai fait un corps de chasse que j'aimerais donner à Edan. J'ai mis tout mon cœur et à la confection de ce corps, mais l'étape finale est hors de mes facultés. Pour atteindre son vrai potentiel, la corne doit être trempée dans l'eau de la source de guérison. On dit que cette source se trouve dans la partie sud de la vallée du Régent. Aux dernières nouvelles, Edan était en visite au village de pêcheurs au sud de des cimes du sorcier. Ok. Bon, bah c'est parti. Voilà. En fait, vérifie ton inventaire que t'as bien tout revendu parce que moi, c'était pas le cas. Alors, moi j'ai 3 tas de poussière scintillante, 3 ossements, un corps de chasse, le nécessaire d'identification, un ceste mortel, un bâton de châtiment, des ceintures usées, des carapaces épaisses, un pendentif, 2 colliers de crawl, une canne, paire de gants d'initiés, et voilà à peu près. Bon, alors, ce personnage est en train de tourner, donc il n'est pas parti pisser. Bon, allez, on y va. Ouais, une rôdeuse. Un gros sein. Ah, ouais, mais les aimantaïstes, elles sont mieux. Ouais, c'est sûr, mais c'est déjà mieux que se trimballer un nécromant avec la crâne à moitié rasée. Avec une épée, en plus, ouais. Épée bouclier, voilà, un nécromant, c'est... épée bouclier. Tout va bien. Bah, écoute, hein, défaut d'avoir un sort d'invocation, faut bien que je me batte. Hein. Ouais. Faudra s'en occuper ça d'ailleurs du sort d'invocation parce que bon c'est pas le tout et moi j'ai choisi un nécromant pour être invocateur alors si c'est pour me battre avec des sorts de prêtre et une épée j'aurais mieux fait de prendre guerrier moine hein. Bon tu veux quoi avoir une armure qui est pas rose ou avoir des sorts avoir les sorts pour commencer l'armure rose j'ai fini par m'y faire. Je suis sûr que tu kiffes la couleur en fait. Même pas vrai. Pam, pam, pam. Est-ce qu'on défonce les marécailleux? Je sais pas, comme tu veux. Fuck it, ouais. Défonce marécailleux niveau 1! Tiens! Balancez tous les sorts, ça sert à rien, mais je m'en fous! 16 XP, mon dieu! Ouais, ça se voit même pas sur ma barre de niveau! Moi non plus! En fait, je crois qu'elle est restée en mode 1080p ma barre, parce que là je suis passé en mode fenêtré pour avoir du 720p potable. Que ce PSAP c'est pas trop lourd, mais je crois qu'en fait la barre est vraiment restée en 1080 parce que ça m'a vraiment rien fait monter du tout quoi. Bah écoute, hein, moi je suis en plein écran donc moi c'est rien monté du tout. Une collectionneuse et puis elle est jolie. Ouais, mais on l'a déjà été la voir et puis elle avait que dalle. Ah ouais. Ah oui. C'est là que j'avais mis mon manteau et puis t'étais trop deg. Oui. La vallée du Régent. Petit fichier, t'inquiète, c'est pour le chargement, va pas durer trop longtemps. Comme je vous le précise, on a mis 2 heures avant de lancer l'enregistrement de la vidéo parce que je sais pas pourquoi il a fallu que je retélécharge tous les fichiers du jeu. C'était lent. Il y aura 75 secondes. Je vous laisse imaginer le merdier. Les gens ils vont se battre les monstres tout seuls là, tiens. Mais un nécromant qui va au corps à corps. À l'attaque. Bonk. Ah bah au passage ici je pourrais avoir des nouveaux sorts moi. Moi je m'en fous, je vais faire le monstre que t'affrontes. T'es pas en train de massacrer parce que bah sinon moi je vais rien avoir comme objet.
Si, normalement, ça donne les mêmes trucs. Mais le bestiau t'y a pas touché, c'est toi qui récupère l'objet, c'est quoi ce merdier? C'est parce que moi je suis rôdeur, monsieur. C'est pas juste. Les rôdeurs avant tout. C'est pas juste. Bon, moi je dois choper des quêtes ici, donc je vais pas me gêner. C'est allez ça. Compagnon du rôdeur. Ah oui, c'est pour avoir un compagnon. Alors, tu me venir ça. Équipé. Charme animal, c'est quoi ça? Ouais, de toute façon, j'ai rien à foutre des sorts de moine, moi. Strictement rien à péter. Ouais. Alors, viens voir, c'était où le corps de chasse? Oh, c'était par là. Même direction que moi. Mais moi, si je pouvais avoir, genre, invoquer un petit zombie ou un petit squelette, quoi, quelque chose. Genre, des formes nécromantes. Ce qui justifie pourquoi est-ce que j'ai choisi cette race. Non, t'as été méchant. Non, t'as piqué les talonnettes de ta maman, t'as été peiné. Ça t'apprendra à piquer ces tenues en cuir. Même pas vrai. Ah, mais allez, bats-toi, merde. Et après, quand je récupère les objets, c'est que les objets de merde qui se revendent 3 pièces d'or. Je déteste ce jeu. À l'attaque. Passage, des fois qu'il y en a que ça intéresse... Je me suis pris Guild Wars 2 et j'accroche pas trop moi. C'est pas du tout le même système de jeu. Il est limite plus orienté action RPG. Et vraiment non, je trouve que ça sent bizarre. En plus c'est super facile, en fait si tu veux, t'as des sorts de base, tu peux pas y toucher pour l'instant. En tout cas au niveau où je suis. Et tout ce que t'as à faire en gros, tu martèles les sorts comme un bourrin. Jusqu'à ce que l'adversaire tombe. C'est un peu con, hein. Bon, après, j'imagine que quand tu montes de level, ça devient un peu plus complexe que ça, quand même, mais... Bah, vraiment, ouais, c'est du gros bourrin, quoi. Fou, j'ai la classe à me battre avec mon morceau de verre. Mec, en fait, il a piqué un carreau de l'église et puis il a foutu un manche dessus. Voilà. Ah, un félin de mélandrue. Ok. Bon, j'ai chopé une bestiole, donc tu t'inquiéteras pas. Attends, d'ailleurs, j'ai peut-être tiré la quête en fait avant. Pour qu'il y en a qui comprennent, peut-être. Alors, l'aspect le plus gratifiant de la profession de rôdeur est de gagner la confiance des animaux. Si cela vous intéresse, je peux vous doter d'une compétence qui vous permettra. D'entendre une moto arriver. Oui, oui, chez moi en ce moment. Qui vous permettra d'amadouer un animal. Toutefois, vous ne devez pas charmer n'importe quel animal vers le sanctuaire de Mélandru. Le long de ce chemin, vous trouverez le sanctuaire et près de lui, pourra apparaître un des chats très rares que l'on nomme les félins de Mélandry. Si vous pouvez charmer un de ces félins, vous aurez prouvé que vous avez les faveurs de Mélandry. Voilà. Donc en gros, je sélectionne le minou, je lance le sort Charme Animal. Il va vouloir me taper, mais il faut pas le taper. C'est le temps qu'il s'amadou. Parce que... il va taper. Oh oui, vas-y. Continue, vas-y, tape-moi. Pourquoi il a été tapé, toi? Aucune idée. N'importe quoi. En plus, c'est niveau 5, parfait. Voilà, donc il a une cape de ouf. Maintenant, j'ai un minou. Il a réussi à préserver un jaguar, et sinon, moi, j'ai une tenue SM. Je crois qu'on si j'arrive à me souvenir de la commande, on peut même le renommer. Alors attends, viens voir. Slash. Pet name. Voici Minou. Pour le lol. Oui. Yeah! Il s'appelle Minou. Minou! Ouais, enfin ton Minou il m'a quand même attaqué, hein, c'est pas pour dire mais. Ouais, bah c'est parce qu'il sait reconnaître les premières personnes, c'est tout. Alors, attaquer. Merde, ça marche. Tu peux pas. Bon, allez, on retourne vers le corps de chasse.
Je crois d'ailleurs il y a une espèce de boss dans le coin peut-être. Putain, mais c'est qu'en plus ils me foutent un vent à la vitesse les deux quoi. Bah je sais pas comment tu fais hein. Parce qu'il y a aucun boost de vitesse. Ma araignée de muse de merde. Et donc oui, la bestiole va m'aider pendant les combats, tout ça. On va monter de niveau et puis on peut faire un rôdeur équipé full. Comment ça s'appelle, full domptage au niveau sort et compagnie, mais moi je trouve pas ça super intéressant, même si je me suis déjà fait, mais alors rouler dessus par un. Un rôdeur qui était équipé, enfin qui était full domptage au niveau des sorts. Je me suis senti minable. En plus, je me suis fait défoncer par une autruche noire. Hein. C'est pour des reins. Et toi, c'est lorsque je me bats tout seul que je me rends compte que c'est toi qui fais très mal pendant les combats. Fallait pas prendre nécro. En même temps, je suis un nécro qui est même pas foutu d'invoquer un petit zombie, quoi, merde. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Oh, il y a un ours! Si celui-ci aussi m'attaque, je te jure que je te tue. Ah non, mais celui-là, il va t'attaquer, hein, c'est un ennemi. Hein. Par exemple, plus de te tuer, alors. Allez, bon courage avec ton ours. Moi, j'attaque les feuilles cailloux. Vas-y, hein. Je peux m'en sortir tout seul comme un grand. T'es sûr? Oh, ouais, t'inquiète. Voilà. Et bien sûr, c'est moi qui me suis fait chier à le tuer, c'est toi qui récupère sa peau, voilà. T'es deg, hein. Je déteste ce jeu. Ah, j'ai cru que c'était un sort de Jack qui venait pour m'aider, mais non, c'est un peu des cailloux qui m'attaquait. Moi, t'aider, mais t'es taré. Un bâton de la terre, waouh. C'est encore moi qui récupère le fagnon et tout. Il a tiré une flèche de merde dessus. Et là, il a récupéré le VF. C'est quoi cette arnaque? Le bâton. Enfin, la baguette même. Oh, là, je m'en fous, j'ai une fiole de teinture. Oh, la chance. Un ours! Mon dieu! Couché, Winnie! Couché! J'ai dit couché. Et voilà. Fou, c'est moi qui l'ai tué. Oups. Je sais pas ce que j'ai foutu moi, mais. Avec un feu pécailleux de derrière un rocher. Bah, normal, non? Alors, le corps de chasse de machin truc. Source de guérison. Et voilà. Je peux pas cliquer dessus. Attends, c'est Marécailleux qui se refait dans la flotte bizarrement là? Ça fout les boules. C'est normal que je puisse pas. Ah! Bon, apparemment, si tu remplis la quête, et ben je remplis la quête aussi. Bah oui, logique, non? Alors, viens voir. Fais voir la carte. Je vais essayer de voir en fait où est censé être le village. Parce que je crois qu'il est sur la droite, vers l'est. Le village avec normalement quelqu'un qui va échanger contre. Attends, je crois que c'est des graines surnaturelles, je suis pas sûr. De toute façon, ça prendra 30 secondes d'y aller. Oula, je vais peut-être me mettre un coup donc des trolls, moi. Et voilà, un peu de loup. Bonk. Un papillon. Hop, oula, ma caméra a fait un truc bizarre. Quoi il est cool. N'empêche, j'adore les magies. Le temps de traverser toute cette zone. Puis assez en plus, si ça se trouve, je suis gouré de chemin.
Puis il est mignon, il va, il attaque, fièrement. Ah, un loulou. L'XP est pas très vite, j'ai envie de dire. On fait trop de bobo. Une cachette. Non, c'est moi qui cherche. Non. Un arc de plat. Je lui donne combien mon arc déjà? 6-9. Ouais, je sais plus combien je tape avec mon épée. 6-9, ouais, pareil. J'ai un truc d'identification, j'ai un truc de recyclage. C'est pas toi qui as un truc d'identification, toi? Si. Bah non, de toute façon, 5-6, alors que mon arc à moi il fait 6-9, même s'il a un truc super pété au niveau des pouvoirs et compagnie. On va éviter les crawls, hein, parce que ça commence à bien faire. Bah, il n'y en a qu'un seul. C'était deux. PM avec le coéquipier que je me tape. Il y aurait eu un combat pendant 10 minutes. Merde. Yo, nécro mon guerrier. C'est marrant, il y a un crawl, il passe et tout, et normal, il fait rien. Ah bah là, là par contre, il décide de me taper, d'accord. Okay. Là, il me faut un peu de guérison, là. Bah, soigne-toi. Non, toi, j'ai encore mieux. J'ai bobo. Ah, mais t'es pas vrai. Juste pour savoir, ils sont à combien sur moi depuis tout à l'heure? Ils étaient 1. Bon bah au final, on les a tous aggro quoi. C'est pratique. Un papillon. 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 Bon d'accord. Alors viens voir. Vu, t'inquiète pas. Plutôt par là, peut-être. Moi, je te suis. Hein. Je connais rien de cette map. Je me souviens qu'il est près de l'eau. Mais alors, où exactement? On va se faire ces deux-là, je pense. Ouais. Alors voyons voir. Ah, c'est ça que je vois dans le fond? Non, c'est un pont. Donc le pont est vers là-bas peut-être, je pense. Donc non, ça va pas être par là en fait. Je sais pas, bah écoute, je te propose qu'on explore tout simplement. Moi je te propose qu'on aille me chercher un sort d'invocation pour que je serve enfin à quelque chose. Ok. Bah je ferai peut-être dans mon coin des recherches. Ouais, comme ça on évitera de tourner en rond. J'ai trouvé la puce, ils nous attendent depuis 5 semaines. Bah, ils sont pas finis eux, si? Je crois. Non, ça m'étonnerait. Bah je crois qu'ils ont dit qu'ils nous attendaient. Hein. J'ai vu un truc briller. Une badine sacrée. Je suis trop content, j'en ai toujours voulu. J'en voulais une pour mon Noël à la place du Megazord, mais j'ai quand même eu un Megazord. Ouais. Gaga Power Ranger. Boum, crawl dans ta gueule la flèche. Ah tiens, j'ai une badine de chute. Votre inventaire est plein. Comment? T'es trop deg. Eh ben non, la naine est heureux. J'ai... Ah moi tes gants. Hautement recyclable, ouais. Attends, en fait c'est les gants de base? Ouais, c'est les gants de base que je viens de balancer. Pff, sale con. Il me reste 3 places, moi. Ouais, il me reste plus de place. Bah au pire... Téléportation. Hein? Alors on se téléporte directement à l'abbaye ou directement à l'escalon.
Bon. Je propose plutôt de continuer à pied. C'est champêtre, c'est mignon. Ils pouvaient pas inventer les voitures, ils sont capables de faire de la magie, d'invoquer des flammes, d'avoir de l'énergie illimitée, mais non. Ils sont pas foutus d'inventer une petite voiture. Moi, si je veux, je monte sur mon chat et puis je le chevauche. Je pense pas que je puisse faire pareil avec un zombie. Bah, de toute façon, je peux pas non plus, en fait. C'était juste pour la prime. Ça serait bien quand même que je chope d'autres sorts parce que il y a moyen de faire des trucs assez pétés en fait en Raider. Ouh, une lame tribale, mais que tu as de la chance. Ouais, je peux juste pas la prendre, c'est tout. Ah bah oui, ce que j'allais dire aussi c'est à la limite file-moi des trucs qui sont stackables, ça te fera de la place. Qui sont stackables? Ouais. Genre tu sais, des fanions, des trucs comme ça. Je sais pas si j'en ai des trucs comme ça. Des fanions, des carapaces épaisses, des crânes de gargouilles, des colliers de crawl, genre de conneries. J'ai des équipements lance-growl. Non, c'est pas... Ah ouais, non, ça va. Aussi les ceintures usées, les membres de squelette. La poussière, les ailerons des cailloux, ouais, tout ça. Non, pas la poussière, ça c'est du... ça s'échange pas, ça. Mais ouais, des fanions, des carapaces, des iris rouges. Ceinture usée. Ouais, ceinture usée aussi. Et les ailerons des cailloux, tu vois. Hop là, tiens. Ça me fera un peu de place. Je vais garder tout ce qui est ossements, crâne et tout ça. Ça va être utile pour les nécromants. Faut que t'acceptes. Voilà. Ouais, oh, c'est bon, j'ai eu 3 plombs, c'est pas de ma faute. Voilà, ça te fait 3 places. Voilà. Ok, donc apparemment la quête c'est par ici. Oui, il faut aussi que je rende ma quête de rôdeur. Bah, de toute façon, on repassera dans la zone. Ouais. On passe par là, le temps d'aller à l'abbaye. Comme ça, après, on va dans les catacombes et on fait ma quête pour que j'apprenne enfin le premier sort d'invoc. Alors, voyons voir la zone. Ah bah non, en fait c'était un signe du sorcier qui était mon village à la con, c'est là où on va je crois. Ah bon? Ah oh bah nickel. Ah, il me semble que c'est ça. Plouf, 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 plouf. Les autoroutes n'existaient pas à l'époque. Ils avaient des rivières. Ah ouais, voilà, c'est ce village là. Ah oh bah tout bénef. Hey. Alors, collectionneur en face. Ah, j'ai pas assez pied à certains endroits. Il y a un marchand, parfait. Merde, j'ai oublié c'était quoi la manip pour voir où il y avait quoi. Alt. Alors, contre des magnétites enchantés, il file des choses. Rien d'intéressant pour moi. Oh, il y a un arc qui est un peu plus mieux que moi, que ce que j'ai en ce moment. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien pour toi. Non, pour moi, il n'y a rien. Putain, la vache, dans le genre pas de bol, toi, tu les cumules. Mais oui, y a personne qui veut rien donner à des putains de nécromants là. C'est des racistes des nécromants dans ce jeu. Bon, attends, mais je vais vendre les 15 milliards d'objets que j'ai là parce que. Ah, pareil. Vendre. Alors. Ouais. Un arc. J'ai encore l'arc de base moi. Viens-moi ça. Merde, je peux pas. Marteau, ouais. Rien à foutre de l'identifier. Ouais, je me suis pas fait beaucoup de place en fait.
Bah ça déjà, hop. Ah oh bah, c'est quand même plutôt pas mal. Épée courte, carapace cuite, on s'en fout. Je courte. Commence à avoir beaucoup de trucs de quête, moi, en fait, personnellement. Bah, de toute façon, tu vas avoir les mêmes. Mmh. Ah, je crois qu'il y a un autre collectionneur près du mec qu'on va voir, en fait. Je crois que c'est pour ça que je me disais qu'il y en avait deux dans le coin. Parce que, dans mon esprit, il me semble qu'il y en avait deux dans ce village. Où est-ce qu'il est, l'autre? Normalement, sans doute vers le mec à qui on va donner le corps de chasse. Ok. Araignée! Araignée près du village. Mmh. Alors. Ah bah non, il y a que Gus Gus. Dans le genre, va te faire foutre Hunk. Là, j'avoue. Quel magnifique cœur, inutile de me dire qu'il l'a confectionné. Je reconnais la griffe de Chantal. Elle s'appelle Chantal. Pourquoi dans le moindre détail. Et il me semble aussi que ce corps a été purifié. Est-il possible qu'il ait été baigné dans la source de guérison? C'est le plus beau corps de sauce que j'ai jamais vu. Je vous suis vraiment reconnaissant, ça sent pas d'expérience et un arc. Qui d'ailleurs est mieux que le mien. Ah bon, ouais. Encore une fois, je vais me faire foutre. Eh, hey, santé plus 10, dégâts plus 15 quand santé moins en dessous qu'un au-dessus de 50%. C'est bien. Ça a vraiment beaucoup de valeur à la revente, ça. En plus, c'est un arc long. Une fois que j'aurai personnalisé, il va faire du dégât. Ah bah, il donne des quêtes lui aussi. Bah. Attendez, il y a des quêtes. S'il y a des quêtes, il y a des récompenses. C'est des récompenses. Yeah, flèche de feu, nickel. Voilà. Là on parle, tir double, voilà. Là on parle, là on discute. Ou puis-je apprendre de nouvelles compétences, nécromant. Voilà. Un nécroman se trouve dans les catacombes derrière l'abbaye d'Ashford pour en aller, prenez la route. Ouais. Merci, je dois y aller. Ouais, bah, je sais qu'il y a une nécromant aux catacombes. Et alors là, Hunk, si on tombe sur un stack d'ennemis. Je vais les anéantir. Pourquoi? Alors, j'ai récupéré flèche de feu, préparation qui dure 24 secondes. Vos flèches infligent 5 points de dégâts de feu à la cible et aux ennemis adjacents. Donc, ah ouais, déjà, ok, tu passes en mode char de siège, quoi. Il y a de ça. Et en plus, à côté, j'ai tir double, attaque à l'arc, vous tirez simultanément deux flèches sur l'ennemi. Ces flèches infligent 25% de dégâts en moins. Oh, putain. Attends, démonstration. Voilà. Des pièces d'or. Débrouille un peu de battre, hein, c'est pas le problème. Et encore plus pété quand comment tu commences à faire des trucs donjons, haut niveau, machin, truc et compagnie. Il y a une compétence de dervige, c'est-à-dire ceux qui se battent à... Comment ça s'appelle? À coup de faux. Mmh. Qui consiste à peu près à la même chose que flèche de feu, sauf que c'est pour le nombre des. C'est croissant rapport au nombre d'ennemis qui sont l'un côté des autres, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, avec. Pareil, t'as un tir de barrage ou je sais pas quoi, ça fait des dégâts, mon gars, mais laisse tomber! Sinon, moi je peux pas invoquer de zombies. Attends, mais on fait quelle quête là en ce moment en fait? Là, on fait un truc au pif. Voilà. Bah, moi, tout ce qui me reste, c'est le vrai roi. Il te reste que le vrai roi, toi? Ouais, sans compter la quête principale. Ah bah oui, c'est vrai que du coup, c'est une quête de rôdeur que j'ai chopé auprès du mec. Oui. Apporter la peau à Alison la tanneuse à Ashford. Ouais, mais ça, c'est à l'abbaye. À quel côté de l'abbaye il y a les catacombes. Ouais, ouais. Donc à la limite, on y va, on dépose ton objet et ensuite on cherche ma quête. Ouais, au passage, on va passer vers le bas de la cime du sorcier où il y a des collectionneurs, je crois. Ah, ok. Que je puisse avoir un personnage digne de ce nom pour une fois. T'imagines, on est à la fin du jeu, j'ai sur mon armure en cuir rose. Non, ça m'étonnerait. Tu peux t'en faire crafter après. Heureusement.
Après, t'as le droit de la garder si tu veux, hein. Je la garderai en souvenir. Les gants et les bottes, on s'en fout, mais par contre, tout le reste, je le garde juste en souvenir. Mais derrière, petit, ne jamais prendre d'armure rouge quand t'es nécromant. D'ailleurs, le dernier niveau de la campagne, tu le fais avec. Non, non. C'est le mec qui va devoir rester tout dans le fond parce qu'il se prend une flèche, il meurt. C'est à peu près ça. Y'a pas un mec caché par là, ouais. Déné cailleux, un ours noir. Couché, Winnie. Là, c'était une réunion en bande quand on était à 4 sur lui. Spunk. Ce qui est génial, c'est qu'avec les feuilles explosives, même si tu es aveuglé, et donc théoriquement bah tu sais pas où viser, tu fais quand même du dégât. Oh putain. Avec les flèches explosent à l'impact. Sinon je suis juste un nécromant qui est en train de jouer le rôle de tank, hein, c'est pas pour dire mais. Oui bah t'es une merde. Pour Jack, pour moi. Bon lui on va l'aggro. Une cachette! Y'a rien! Pendant ce temps, moi je me fais un ours. Bon. On va peut-être pouvoir esquiver de quelques combats. Voilà, parce que de toute façon ça rapporte que dalle d'XP. Bon, par contre, les deux là on est obligé de se les taper. Toujours! Il veut pas. Vas-y Hunk. Mais sûr, ça me tue quoi. Tank, alors que je suis censé être le magicien qui reste en dernière ligne quoi. Moi je suis pas Pump Girl. Y'a un deuxième mousse qui arrive en plus. J'ai même pas vu que tu dansais. Ah putain, mais c'est vrai, déconne. Voilà. Quand je m'en occupe, ça va plus vite d'un coup, hein. C'est étrange, c'est que toi qui récupère des objets, t'es en train de danser pour que moi je me botais. Complètement inutile, c'est nécromant la con, gna gna gna, moi je fais des gna, je suis trop dark, gna gna gna, je suis un émo, gna gna gna, zombie, gna gna gna. Oui, je m'en foutais d'invoquer un zombie, merde. Un iris rouge. Pour moi, tu es dedans, tu es récupéré tout. Au passage, j'aggro un ours, parce que je suis comme ça, moi je suis un fou. En fait, c'est ce qui est hallucinant dans nos différences, c'est genre stuff, compétences, tout ça. C'est que toi, on a l'impression que tu joues au jeu depuis des semaines, et moi, on a l'impression que j'ai à peine de commencer le jeu. Tu sais, quand je regarde les personnages, ah. Ouais, mais c'est le manteau. Ouais, c'est ça. Ça, c'est juste visuel, mais rien que sur le visuel, quoi. C'est pas classe, bordel. Non, mais ils vont nous lâcher, oui. Je suis un ouf, moi, je peux pas être contre les sources tout seul. Ah, toi aussi, tu bagues des anges tout seul. Ouais, sauf que moi, je résiste. Moi aussi. Ah bon, j'ai pas eu l'impression. En plus, j'ai un peu jeté point de vie grâce à mon arc de la mort. Tintintin. Moi, je m'en fous, j'ai des sorts pour voler de la vie à tous les ennemis qu'on croise. Et en plus, c'est des sorts de nécromant. Parce que ça fait depuis le début que j'utilise que mes sorts de nécromant et pas de prêtre. On va peut-être aller un peu vers la montagne. Je crois qu'il y a un collectionneur dans le coin. Ah, pas sûr, hein, après, peut-être que j'ai de la merde. Ah! Tu vois? Pas se battre. Non. La flemme. Putain, pour une fois que t'as raison. Comment ça, pour une fois que j'ai raison? Je t'avais dit ou pas qu'il y avait un collectionneur dans le village? Bon, je m'étais gouré d'où était le village. Tu dis qu'il y a un collectionneur, il n'y en a pas. Ah! Des gants pour moi. Je
présume que pour toi, il donne que dalle. Il me donne des gants, énergie plus 3, sauf que moi j'ai ah bah si, il donne aussi des gants. Armure plus 5, et là c'est rien, c'est de la merde. Donc, il y a quelque chose pour moi, mais c'est de la merde, par rapport à ce que j'ai. Ah bon? Ouais. Bah là, le truc que j'ai, ça me donne... les gants que j'ai actuellement, ça me fait armure plus 5 contre les dégâts physiques, et j'ai armure plus 5 en attaquant. C'est des gants que t'as? C'est bien. Et t'en fais voir pour... Je trouve ça bizarre. Il me semblait pas qu'il y avait 15 000 gants. T'as intérêt à me l'échanger. Ah mais non, ça c'est... Ah merde. C'est un truc de bouclier ça. Merde, je viens de faire... j'ai pas fait gaffe, ouais. Désolé, ça ressemble tellement à un gant ce mardi. Bah en fait c'est les mêmes. Enfin c'est le nom qui change mais c'est le même effet. Ok, bon, on va essayer quand même de se faire quelques machins de glace. Ouais, si tu veux. Au passage, t'as la priorité, hein, parce que manifestement, il y en a un qui en chie. Attends, on va essayer de se le faire, celui là-bas. En plus, avec mes trucs de feu, ça devrait aller vite. Ouais, tu m'étonnes. Boum! Attends, on l'a déboîté. Je viens de récupérer un bâton de terre sur un élémentaire de glace. Je cherche encore l'erreur. J'aime, n'empêche, comment on se fait chier à essayer de récupérer des trucs d'équipement alors qu'on va avoir des trucs 15 fois plus pétés quand on va passer au niveau à la suite du jeu. Je me demande si en fait t'en fais pas une connerie. Bah, limite, juste chercher des compétences après on avance quoi. Ok, bon, on va peut-être faire ça plutôt. Bon, allez. A ton avis, combien de temps Romano va rigoler en voyant que je suis un nécromant qui se bat avec une épée? S'il le voit. Ouais, faut qu'on arrive. Je pense que d'ici là, on aura quand même chopé... enfin, t'auras quand même chopé un bâton, un minimum, qui tienne un minimum la route, quoi. Bah, j'espère. Quoique limite, cette épée, ce qui est génial, c'est que c'est pour se battre au corps à corps, mais ça a plein d'effets pour les magiciens. Dégâts tranchants 6-9, armure plus 5 en lançant un sort, réduit de moitié le temps d'incantation des sorts. Le truc, c'est pour se battre au corps à corps, mais c'est pour les magiciens. Non, les sorts, ça compte aussi les trucs de guerrier. Ah ouais, autant pour moi. Ouais, bon, ok, c'est... je me bats pas avec une arme pour moi, alors. Bon, ça marche aussi. Ah oui, tout à fait. Parce que oui, pour Rodeur, tu as une technique de farm pour flinguer des monstres level tout seul, qu'on appelle le Rodeur Trap. Tu fais que poser des pièges en série, et pour ça, tu as besoin de boost de vitesse de lancement de sort et compagnie. Et franchement, cette zone-là qu'on est en train de traverser, je serais pas dans un MMORPG, je dirais, là, ça sent le boss. Ouais, effectivement, tu traverses la colline et tout. Et surtout, t'as une grande zone dégagée où y'a rien. Mmh. À chaque fois que t'arrives dans ce genre de zone dans un jeu, c'est qu'il y a un boss. Ah, tu vois l'autruche, si je veux, je peux la dompter. Et tu perds ton minou? Et je perds le minou. Ouais, le minou, c'est bien. Ouais, le minou, c'est bien, effectivement. On a une quête en là, normalement. Y'a un collectionneur. Ah, voilà, machin truc, petit homme. Bon, ils ont déjà tous fait les collectionneurs du coin normalement. Bah attends, je vais voir. On sait jamais, peut-être qu'on l'a loupé celui-là. Bâton d'os, non. Jonc, non. Parchemin de la terre, non. Bâton de l'eau, non, non, non. Va te faire foutre, Hank. Heureusement que j'ai vu Tommy nous passer, sinon je te perdais de vue, putain. Alors. Ah ouais, il y a une quête là-bas. Ah, quelle belle fourrure, un instant, je vous prie. Bien, voilà la houppelande de Petit Homme. Pourriez-vous la lui porter? Mais tout à fait, madame. Eh, tu me crois si je te dis que, bah, moi, elle me propose la quête seulement? Tu sais que t'es un handicapé. Bah, je sais pas, tu l'as sélectionné quand, cette quête? Parce que, sérieusement... Bah, quand on était dans le coin, qu'on a chopé tout et n'importe quoi. Putain, fallait me dire que tu récupères des quêtes, moi j'étais en train de fouiller que pour les collectionneurs, je crois. Bah, je te les avais dit.
Je suis un boulet alors. T'es un gros boulet, ouais. Ouais, bah écoute, je vais faire que te suivre, hein, c'est que 250 points d'expérience. Abbaye. Nécromant. Alors. Du coup, l'arc, je peux le vendre. Est-ce que moi je pourrais utiliser l'arc? Ouais, mais ça demande, donc fait chier. Vendre. Bâton d'eau, bâton de terre. Hop là, au revoir. Bah, moi je ferais bien un petit passage à Scalon pour quand ça s'appelle personnaliser mon arc. Bah, vas-y, téléportation alors. Décollage dans 5, 4, 3, 2, 1. Téléportation réussie. Oula, mais il y a du monde dans le coin. Hein. Ça fait quand même bizarre un MMORPG où il n'y a plus personne, quoi. Mais c'est génial, t'as vraiment l'impression, toi, que tu es le héros du jeu. Ah, il y a des quêtes. Ah ouais. J'ai eu peur, j'ai dit putain, ça y est, ça sent encore une quête qu'il a eu et pas moi. Putain. Bon, on verra plus tard. T'es que 250 points d'expérience. Bah, ça, je sais pas si j'ai fait personnaliser mon arme à moi là. Épée longue, ouais, voilà, je l'ai même pas encore personnalisé. Je crois que le bouclier aussi, tu peux le personnaliser. Dégâts plus 20%. Ça peut toujours aider. Mmh. Être là aussi. Prince Rurik. Il y a de la baston dans le coin. T'as sélectionné une quête ou pas? Ah ben, bah je prends toutes les quêtes et puis on les fera plus tard. Oh la vache, ah ouais, d'accord, t'as pas pris le temps de les lire, ok. Non, okay. Non, ouais, on les lira une fois qu'on les fera. Ok, ok, ok. Ah merde, si j'avais su, j'aurais pris tout ce que je croisais. Bah, c'est envie. On a décidé ça au dernier épisode, hein, Hunk. Merde. Le mec est vachement au courant, tu sais. Ça fait tellement longtemps. Bon, merde, c'est-à-dire que l'autre là, tu lui as aussi pris sa quête. Voilà. Bon, du coup, je vais donner la houppelande de petit homme. Enfin, à moins que t'aies encore des choses à faire. Bah, je sais pas, attends. Non, c'est bon. Ok. Comme ça, ça me fera de la place dans l'inventaire. Téléportation. Je vois un coup, tiens. Hop là. Marchand. Fais bien. Il était un petit homme. Pirouette, cacahuète. Du coup, le marchand, il tombe bien. C'est bizarre parce que normalement, on est censé choper les quêtes ensemble. Ouais, c'est bizarre. Je l'ai pas la quête là. Bon bah, t'es mauvais. Je suis vraiment pas un habitué des mémos. Donc on disait abbaye chercher des quêtes de nécro. Voilà, que je serve enfin à quelque chose. Ça va être compliqué. Pitié. Parce qu'en gros, tu vois, tu vas voir la puce qui va balancer plein de sorts de derrière. T'as Romano, lui, ça va être le tank, un putain de guerrier. Puis toi, au milieu de ça, t'auras un écran qui se met en d'être encore à corps. Voilà. Et qui fera des câlins aux divers bestioles qu'on croisera. Voilà. Le mec, en moi, même pas foutu de parler avec les morts. Bon, par contre. Alors, elle te donne plus rien. Bah, attends, je vais vérifier. Ah, si, attends, elle a un.
Ah bah voilà, bah oui, on est passé 4 fois devant, à 4 fois je t'ai demandé si elle te donnait quelque chose et puis non. Le nécromant néophyte. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être nécromant, des récents étudiants s'est rendu dans les catacombes pour invoquer une entité démoniaque, mais le malheureux n'est jamais revenu, je suis sûr que c'est fait dévoiler par sa propre création. Oh bah j'y vais. Équiper une compétence, 6 fonds de vie. Maléfice 14 secondes, ennemi visé subit une dégénération de santé de moins 1, vous bénéficiez d'une régénération de santé de plus 1. Ouais. Animation d'horreur squelette, crée une horreur squelettique de niveau 4. Bah voilà. Merci. Merci. Enfin. En attendant, nous on s'est barré. Merde, raté. Équipé. Maintenant. T'es où? Où est-ce qu'il se bat ce con? Il est où? Sans déconner, je te vois même plus sur la map. Putain, mais t'es où? Clique sur mon nom et fais M, je crois, pour suivre. Je crois que c'est M. Ouais. En bas à droite. J'ai appuyé sur B, mais je vois pas. M. Bah j'ai appuyé sur M. J'ai dit B. Non mais tu cliques sur mon nom, comme ça t'as ma Jack Personnalis qui s'affiche en haut, et tu appuies sur M. Et tu touches à plus rien. Bah le truc c'est que je peux plus appuyer sur ton nom. Ah bon? Ah bah non. Cliquer sur le B1, je peux pas cliquer sur le K. Abbaye d'Ashford. Ah t'es mauvais. J'aime pas les MMO. T'es mauvais. Voilà, là tu peux. Oui. On me dit que t'as l'abbaye d'Ashford, c'est tout. Mais tu cliques sur mon nom. Mais j'ai cliqué sur ton nom. Tu touches à rien. Touche à rien. En bas à droite, membre de groupe. Clique Jack à ma test. C'est bon, je te vois. Là, maintenant, M, et ça marche tout seul. Non, si j'appuie sur M, ça me dit que t'es à l'abbaye d'Ashford. En cliquant juste sur ton nom, ça me met si j'appuie sur M, cercle jaune autour de toi. Voilà, M, moi ça fait des choses, moi. Bah moi, M, ça fait rien. Et bah, je sais pas qu'est-ce que t'as foutu à ton clavier, voilà, à force de taper dessus comme un bourrin. J'utilise même pas M quand je joue à StarCraft. C'est plutôt A que je massacre comme un dingue. Ah, c'est vrai que tu joues aux ergues. Oui, quand tu joues aux ergues, les drones, ça se fait pas tout seul. N'est-ce pas? M'en fous, mule for the win. Allez, c'est parti, cible du sort incorrect. Voilà, ça s'invoque comment? Faut viser un cadavre, andouille. Oh putain, la nécromancienne, elle nous suit, j'ai même pas fait gaffe. Bah oui, c'est elle qui nous donne la quête et tout. Animation d'horreur squelettique. Et maintenant que j'ai invoqué un truc, bah ça y est, je peux même pas jouer avec. Putain, j'ai même pas le temps de lancer mon invocation ou quoi. Ah si, elle est là. Bravo l'aveugle. Bordel, il s'est barré tout seul. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois on avait quitté avant de taper le boss. Parce qu'il y a un boss. Ouais, il y a une espèce de gros squelette dans un coin. Mais il fallait défoncer tous les squelettes d'un couloir et puis on n'avait pas eu le temps parce qu'il fallait aller bouffer. Ah ouais, c'est vrai. Et en plus j'ai pas mon squelette à moi. Puis on avait pas la super nécromant. Comment elle est sexe en fait avec sa tenue de QRSM? Eh bien un peu, ça c'est de la vraie tenue des combats, regarde. Voilà, sauf que à côté, bah tu fais. Voilà, tu fais soumis bien. Quoi. Voilà. Oh, elle fait des ménades dominatrices et toi tu fais soumis. Ça se complète. C'est la vie. Hop. Mort tout seul. Oui. Ouais, j'ai pas rêvé, hein. Il est bien mort tout seul le bordel. Oui. Attends, laisse-le faire, tu vas voir. Ah quoi? Non. Ah bah non. T'attendais à ce qu'il brûle? Ouais, parce qu'en fait t'as des pièges. T'as pas eu la quête? Ah si. On s'en fout des pièges, on est des warriors.
Ouais, sauf que tu marches dedans, tu meurs. Donc là, le but, en fait, c'est que tu réanimes un cadavre du squelette, enfin du squelette de la bestiole qui est derrière. Ah ouais. Ah merde, ça se te portait là. Face palm. Au moins, j'ai dégagé le piège, hein. Rien à foutre, je te reste pas. T'es trop nul. Mais vas-y, reste pas de moi, merde. Non. Mais j'étais même pas sur le piège, quoi. Tiens, le félin. Carré. Je peux pas lui dire d'aller quelque part. Il y avait un gros carré. Et ben, j'étais même pas sur le carré, ben ça a quand même explosé. Je suis pas assez con pour marcher sur un piège. non. Rappelle-moi ce qui vient de se passer. J'ai pas marché dessus. J'étais pas dessus. Le bordel, il était à 20 centimètres. Non, 20. À 40 cm du plat d'escalier, je suis encore sur la dernière marche, le truc il explose. Bon, je suis pas chat, je suis obligé de te réanimer, hein, mais c'est bien pour cette fois. Obligé de ramener un nécromant, n'importe quoi. tu ramènes un nécromant à la vie. n'importe quoi. Je pouvais pas sélectionner le cadavre, hein. Le cadavre du machin, je pouvais pas le sélectionner. Non, tu sélectionnes pas le cadavre, ça se fait tout seul. Ça régénère à partir de tous les cadavres à côté. Enfin, ça les génère. Regarde. Création de corps squelettique. Oh my god, d'accord. Même c'est bon, pas... t'as compris. D'accord, donc par contre, faut un cadavre à côté pour que ça marche. Ouais. Okay. Et tu peux pas réanimer plusieurs bestioles à partir d'un seul cadavre. Sur moi, c'était pas ça le boss, quand même. Non. Ah, tu me rassures, j'ai eu peur, je me suis dit, merde. Bon, bah, c'était tout. Je sais pas, c'est t'inquiète, hein, c'est à toi de voir. Hein. Bah, je sais pas. Attends. Non. C'est elle. Si c'est bon. Terrasser le cauchemar. Ouais, si vous pouvez terrasser le cauchemar qui m'invoquait, vous enseignerez la profession de nécromant. Vous indiquerez même l'endroit où il est allé, vous doterez temporairement de sort, mais je vous mets en garde, vous devez soigner à moins de traverser les pièges de feu, évidemment si vous échouez, votre cadavre servira de nourriture à mon prochain étudiant. Salope. La salope. Ouais, mais si j'ai réussi, maintenant ça veut dire que j'ai le droit à un traitement de faveur. N'importe quoi. Ouais, c'est bien ça. Par contre, je te préviens, tu meurs, je peux pas te ranimer. Ah bon? Bah non, ça se quitte qu'une fois. Par jour? Non. Par montée de morale. Impressionnant, vous l'avez éliminé en un rien de temps. Vous possédez un sacré talent, merci. Bon, on regarde pour voir où je peux encore avoir des compétences ou c'est bon? Bah normalement tu peux en avoir autre part, mais alors où? Je sais pas, j'ai jamais joué le nécro moi alors. Vous trouverez Cacha Sang Noir dans le comté des Vertes Vallées après le sanctuaire de Balthazar. Pour la trouver, prenez la route au nord de la ville et longez-la jusqu'à ce que vous atteigniez le comté des Vertes Vallées. On l'avait pas déjà vu, elle? Je sais pas, attends, la carte. Tu sais, c'est après l'espèce de grosse statue qu'on avait vu l'autre coup. Si, on l'avait déjà causé, elle. Domaine de on a le comté des Vertes Vallées. Mais... c'est à côté, c'est le domaine de Baratin est au milieu. Voilà, c'est ça. Et il me semblait qu'on l'avait déjà. Quoi, tu avais déjà parlé en tout cas. Elle... je tiens. Crois, ouais, c'est pas impossible. Mais je trouve un passage. Bon, on va aller faire le boss avec tous les squelettes là. Ouais. Est-ce qu'il n'y a plus besoin d'aller manger? Ça va avoir un petit moment. T'es sûr, il est quelle heure? Ah si, oui, 18h, effectivement. 18h. Ce sera un peu tôt pour aller manger quand même. Ah, quand j'étais à internat, c'était 18h20, quoi. Ah ben. Quand j'étais à internat, c'était 18h20. Ah ouais, quand ben. Bah ouais. C'est bien, c'est qu'avec mon horreur squelettique, je me sens moins forever alone quand je me bats. Mmh.
Ouais, ah, cette puissance! On arrive. Je manque un peu d'énergie en fait. Pour pouvoir lancer tous les trucs. C'est bon ça. Non! Gus Gus! Tu avais donné un nom? Oui! C'est Gus Gus. Avec son violon. On arrive. Alors, c'est compliqué de se repérer avec la carte. Il y a tellement de passages qui montent, qui descendent, qui sont l'un par-dessus l'autre. Deux secondes. Maintenant que je peux invoquer, je me fais plaisir. Hein. Ça coûte cher au niveau énergie ? 10. Ah ouais, quand même. Faut que je me fasse plaisir. Hein. Ouais, Minou, il a monté niveau. Et bien, c'est que j'ai même pas besoin d'être là pour me battre. Ça va finir combat de Pokémon quand même, cette histoire. Des araignées, des chats, des bestioles bizarres. Et attends, elles ont pas encore évolué. Hein. Là, c'est comme si toi t'avais Carapuce et que moi j'avais Bulbizarre. Bizarre. Hein. N'importe quoi. Bizarre un peu. Un peu bizarre. Bizarre quand même. Ah, par contre, tu peux pas réanimer les squelettes. Non. Je peux pas faire ta mais je te dis justement, quand t'es moine, tu peux les soigner. De quoi, les invocations ou les squelettes? Ouais, les invocations. Non, ouais, c'est ce que je fais. Sauf que ça demande beaucoup Comment ça fait mal les flèches explosives? Tu m'étonnes. Bon, on va faire chier tant qu'il y a des squelettes. Oh, c'est in your face. Plus le minou. Mais je vais pas le garder le chat parce que c'est chiant, ça te bouffe deux emplacements de pouvoir, de compétence. Parce qu'il t'en faut un pour le garder sur toi et il t'en faut un pour pouvoir le réanimer si jamais il meurt. Putain. Après, d'un autre côté, ça te fait quand même un peu plus de DPS qu'un sort. Enfin, ça dépend des combats. Et justement, comme en général, je trouve que les combats sont assez rapides. Il n'a pas le temps de faire le DPS que fait un sort. Je trouve. Ouais, bah, genre. Il faut prendre des compétences pour lui, quoi. Ouais, en gros, si tu veux utiliser des familiers, faut vraiment spécialiser là-dedans quand c'est efficace. Ouais, plutôt. Bah, beaucoup de gens qui aiment bien les garder quand même, mais moi, je préfère sans, en fait. Et c'est vachement con parce que à l'époque où je jouais beaucoup, il y avait encore du monde. Il y a souvent des gens, quand je sortais, qui me faisaient « Bah, t'as pas de familier !» Allô, t'es un rôdeur et t'as pas de familier. Allô. Putain. Le truc, c'est un crime national, tu sais. Limite. Et pareil, au niveau de mes équipements, j'ai tendance à me rajouter de l'énergie parce que ça me permet d'enchaîner plus de sorts en un rien de temps. Il y a des gens qui trouvaient ça bizarre. Moi, je trouve ça au contraire. Bah, c'est intelligent, quoi. Tu m'étonnes. Sur mon personnage principal, je peux enchaîner un saignement, un empoisonnement, un truc, un machin, mais si j'enchaîne, on a rien de temps, quoi. La bestiole, elle meurt en 30 secondes, c'est toute seule. Oui, invocation.
Et j'avais ta barre de vie en plein milieu de mon écran. Bon, allez, un coup de châtiment. Hop. Je crois que ta bestiole fait plus de dégâts que mon chat. Mais je suis pas sûr, mais il me semble. De quoi? Je crois que ta bestiole fait plus de dégâts que mon chat. Ça, je sais pas, je fais gaffe. J'étais occupé à essayer de la soigner. C'est galère. Oula. J'ai plus de soins, hein, tu te démerdes. T'inquiète. J'ai un sort de soin vachement efficace, mais il met du temps à se lancer. Hop là. Et sinon les attaques à l'épée mon gars, ça, tu connais? Ah bah tu t'attaques au boss toi. Ah c'est lui? Oui. Ok. Bon il va mourir vachement vite, tu vas voir. Voilà. Coup de châtiment dans sa gueule. Et il a rien droppé ce con. Ah si. C'est si. Pour moi. Hop là. En fait si t'avais pas remarqué, toutes les bestioles qui ont une espèce d'aura de couleur sont des boss en fait. Pas des boss. C'est une façon de parler quoi. Ils ont utilisé un autre terme normalement mais je me souviens plus duquel. Donc à chaque fois que tu tues un boss, tu gagnes plus 2%. Tu vois en haut à gauche. T'as plus 2% de vie, de comment ça s'appelle de. Ah ouais, dans son moral. Votre santé et énergie sont augmentées grâce à un moral élevé, voilà. D'accord. Et donc à partir de là, si tu obtiens un pourcentage en plus, le saut de résurrection, tu peux le réutiliser. C'est pour ça que j'aime bien prendre moine, étant donné que je n'utilise que des sorts de rôdeur, ça me permet de... comment ça s'appelle à la place du sort de res, du saut de res, je peux prendre un sort de res. Qui est certes moins efficace au niveau des PV que tu as en ressuscitant, mais il y a par exemple un sort de résurrection, moine, qui te permet de téléporter la personne à tes pieds. Donc quand t'as tout le monde qui est mort dans d'atroces souffrances en plein milieu d'un groupe d'ennemis, c'est relativement pratique. D'accord, je vois le truc. Bah t'es où? Tu fais quoi là? Ah, je pensais que t'étais parti vers l'avant, donc moi je commençais à avancer et... Quand j'ai remarqué que t'étais plus là, bah j'ai pris peur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Bah, moi j'irais bien prendre ma quête de rôdeur, du coup. Hein. Ouais, il fallait que je tombe ta minou. Maintenant que je m'en sors d'invocation au mode mort-vivant, quoi. Après, on verra par la suite, quoi.